Salut Antoine, alors est-ce que tu peux te présenter en qualité de motard, expliquer ta saison, enfin voilà quoi. Bah alors je suis pilote professionnel en enduro, je roule pour KTM Factory et je suis 4 fois champion du monde de la discipline, donc ça fait 3 rallyes que je m'essaye petit à petit au rallye. J'ai une passion pour le rallye depuis pas mal d'années et puis je commence à faire de bonnes connaissances. On m'a présenté Noël Tron, une très bonne amie à moi, m'a présenté Bernard Piala. Et puis j'ai hérité par chance du copilote de Steph Chambon, donc avec Antoine Pack, on s'entend super bien. Et puis ben voilà, petit à petit on a commencé à remonter, à faire de belles spéciales. J'ai commencé cette année avec une DS3 R3, donc c'était assez difficile. J'ai jamais roulé en deux motrices, donc j'ai subi mon rallye, je me suis pas fait plaisir. Et puis à Langres, j'ai fait pas mal d'essais et j'ai voulu trop en faire en spécial, on a fait une touchette. Donc on est arrivé là un peu à tâtons et voilà, c'est une très bonne expérience, on s'est régalé avec la voiture et voilà, il va falloir continuer. D'accord, et je t'ai entendu parler tout à l'heure que tu aimerais toucher un petit peu à l'asphalte, tu connais un petit peu ou comment ça se passe ? Non, du tout, j'ai jamais fait. Aujourd'hui et hier, il y avait 2-3 belles petites portions asphalte où on s'est régalé. Donc ouais, c'est Bernard qui... c'est un dealer de drogue Bernard, plus ça va, plus il essaye de t'en vendre. Donc je commence à bien apprécier le rallye, donc je vais un peu essayer l'asphalte pour voir ce que ça fait. Moi j'ai aucune expérience là-dedans, donc on va s'en faire un petit pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis ben là on va finir par un petit Vaucluse en fin d'année pour le plaisir et puis on verra bien. Ouais. D'accord, ben on te remercie ta gentillesse pour avoir mis la caméra dans ta voiture. Ben merci à vous, j'espère que vous allez apprécier les images et bon, il y a un peu des chaleurs. Hein. Je remercie les mécanos qui ont entretenu la voiture parfaite et qui ont fait un très bon boulot, les mécanos PH, et ben merci à toi de m'avoir laissé ta caméra. Merci, à la prochaine.